discute avec des militants. J'ai vu la mairesse de Sherbrooke. Ce midi, d'ailleurs, il y avait beaucoup de maires de plus petites municipalités. Et bien là, je visite une nouvelle opération de tulipes. Je trouve ça, en plus des fraises et des framboises, ils ont ajouté depuis 2 ans des tulipes. Puis l'auto-cueillette, puis c'est de plus en plus populaire, l'agro-tourisme. Les familles qui viennent ensemble là, cueillir, c'est agréable, c'est une belle activité. M. Legault, est-ce que les règles du conseil exécutif permettent à un ministre de nommer un ami? Bon, d'abord, il faut comprendre, là, pour les nominations des juges, on n'est plus à l'époque des post-it, là. On a maintenant une procédure qu'on utilise depuis 4 ans et demi, donc depuis que la CAQ est au gouvernement, que ce soit Sonia Lebel ou Simon-Jolin Barrette. Il y a un comité indépendant qui nous fait jusqu'à 3 propositions. Ça peut être 1, 2 ou 3. Puis là, bien, ça, ce sont maximum 3 personnes qui sont compétentes. Et c'est le ministre de la Justice qui choisit parmi ces personnes-là. Est-ce que les règles du conseil exécutif permettent à un ministre de nommer un ami? Oui. Oui. Donc, la présence de M. Simon-Jolin Barrette, il n'avait pas à déclarer... Non. Non, parce que je ne le savais pas, je l'ai su dans le journal ce matin, mais ce qui est important de dire, là, c'est qu'il y a un tri des rencontres, des analyses de CV qui sont faites avant, puis là, il y a un choix d'un maximum de 3 candidats, candidates compétentes, puis là, bien, le ministre en choisit une parmi mais ces 3. C'est quand même lui qui a eu le dernier, mot, M. Legault. Là. Est-ce qu'il a pris des précautions pour s'assurer, pour vous avertir? Il a pris aucune précaution Écoutez, pour avertir je regarde le conseil des ministres pour dire, par exemple, je vais nommer un ami, là, je vous préviens, je vais nommer un ami. OK, regardez, là, avant, on sait comment ça marchait. Il y avait un post-it, puis on disait, bien, cette personne-là est sympathisante de telle partie, donc on devrait la nommer. Ça marche plus de même. Il y a un comité indépendant qui fait une analyse, qui fait le tri, qui rencontre les différents candidats, candidates. Et là, il y a un maximum de 3 noms qui sont soumis, 3 personnes compétentes. On ne peut pas non plus dire, parce que cette personne-là est connue du ministre, puis est compétente, qu'elle ne pourra pas être nommée. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Je pense que sur le côté des apparences, il faut insister sur le fait que les 3 personnes sont choisies par un comité indépendant. Le ministre n'est pas au courant Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Auriez-vous aimé le savoir? Est-ce que les ministres auraient dû le savoir avant de prendre la décision? Il y en a à chaque semaine beaucoup de nominations qui sont adopté par le Conseil des ministres. Et puis, la seule question que je pose, c'est est-ce que les règles ont été suivies? On ne commence pas à débattre au Conseil des ministres. Est-ce qu'on devrait... Donc, vous dites qu'il y avait 3 propositions. Vous n'étiez pas au courant. Ben, le Conseil des ministres n'était pas au courant. Comment il peut... Il a signé sa notice à l'université. Les apparences de conflit d'intérêts sont nulles. Écoutez, comment on peut parler d'un conflit d'intérêts à partir du moment où les personnes sont choisies par un comité indépendant? Vous dites qu'il y avait 3 noms dans le rapport du comité, monsieur le premier ministre? Oui, mais il y a jusqu'à 3 personnes. Fait qu'il peut avoir 1, 2 ou 3 personnes. Donc, il choisit la personne qui pense qui est la mieux parmi... On ne le sait pas. Est-ce que vous avez un peu l'impression que ça vous met dans l'embarras quand même sur le plan des apparences? Parce que là, vous êtes obligé de l'expliquer, tout ça. Est-ce que les règles sont suffisantes pour... Moi, je pense que les règles sont suffisantes. Depuis, je pense, la commission Bastarache. Avant, là, ça marchait avec des post-it. On se souvient, là, pour être nommé juge, il fallait être dans le bon parti. C'est plus ça, là, du tout. C'est plus du tout ça. Il y a un comité indépendant qui fait des propositions. Ils font maximum 3 propositions, puis le ministre en choisit un. Le ministre a demandé à influencer votre vote de confiance, cette histoire-là avec le troisième lien. Nous, nerveux d'abord pour le vote de confiance en fin de semaine. Bien, écoutez, on est toujours un peu fébrile parce que ça fait 4 ans et demi que je gouverne. Donc, quand on gouverne, on prend des décisions. On peut décevoir des gens, mais je suis confiant que les gens vont m'appuyer. C'est quoi votre objectif? J'ai joué dans le film ou j'ai vu des gens jouer dans le film. C'est la rôle du salaire de député. Est-ce que tout le focus est derrière cette idée-là? Je pense que oui. Puis encore là, c'est important de le rappeler, là, puis on ne le mentionne pas assez. Le bureau de l'Assemblée nationale, le BAN, a mis en place un comité indépendant avec M. Roy, qui est un spécialiste depuis 25 ans. Il fait ça, de la rémunération. Il compare la rémunération avec des comparables. On a ajouté à ce monsieur une ex-députée du Parti libéral, Lise Thériault, un ex-député du Parti québécois, Martin Ouellet. On a demandé à Luba Gazal et à Québec solidaire de nommer quelqu'un.
ils ont refusé de nommer. Moi, je trouve ça un peu spécial que Québec solidaire dise que ce n'est pas un comité indépendant, alors qu'ils ont refusé d'y participer. On a reçu des recommandations. Écoutez, rapidement. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis en politique, puis ça fait 20 ans que je parle d'un ajustement qui devrait être fait. Mais l'expert, il a dit, que son mandat était restreint, M. Legault. Bien, je pense que c'est important que ça soit fait. Moi, j'avoue, là, je le fais plus pour les prochains, parce que je pense, puis je le fais beaucoup là, pour les pères et les mères de famille, de jeunes familles qui veulent offrir ce qu'il y a de mieux à leur famille puis qui ont le droit d'avoir un salaire qui est comparable à ce qu'ils gagneraient dans le secteur public, dans le secteur privé. C'est pas nécessaire que ça rentre en vigueur dans le mandat actuel. C'est prévu que ça rentre en vigueur dans le mandat actuel. C'est des gens qui ont refusé des candidatures. Oui, oui, c'est ce qui est recommandé par le comité. On a suivi toutes les recommandations du comité indépendant. Est-ce que des gens ont refusé des candidats parce que le salaire n'était pas assez élevé? Monsieur Lefebvre a dit qu'il y avait eu des gens qui avaient refusé à cause de ça. Bien, écoutez, j'ai approché là, des centaines de candidats depuis le début de la CAQ. Puis, c'est une considération. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que ça dans le secteur privé ou même dans le secteur public. Ça veut dire que vous avez des plans B dans votre cabinet. Écoutez, j'ai réussi malgré tout à trouver d'excellents candidats, mais je pense que ça devrait être une profession qui est valorisée. Puis, dans un système capitaliste comme on est, le salaire, ça fait partie de la valorisation d'un emploi. On sait que le financement des villes, c'est un problème qu'elle répète souvent. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à ce sujet-là? Puis est-ce que vous êtes ouvert à... D'abord, j'ai eu une très bonne rencontre. Puis je pense qu'on s'est tous les deux mis d'accord sur le fait que, bon, les villes ont les taxes foncières. Le gouvernement du Québec a des impôts sur le revenu, essentiellement. Il y a des taxes de vente aussi qui sont partagées. Et quand on se compare avec nos voisins, par exemple avec l'Ontario, on voit qu'au Québec, on a plus d'impôts sur le revenu que l'Ontario, puis on a moins de taxes foncières que l'Ontario. On se rappelle aussi que le gouvernement du Québec a libéré une partie du champ des taxes foncières en réduisant de façon importante les taxes scolaires. Donc, actuellement, il faut que les municipalités se parlent pour être capables, parce qu'il n'y a pas de surplus ou de marge de manœuvre à Québec. Puis on est en plus en négociation de convention collective, puis les syndicats nous disent, bien, en moyenne, les employés du gouvernement du Québec sont payés 30 % de moins que les mêmes emplois dans les municipalités. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste, là. Il n'y a pas de marge de manœuvre au gouvernement du Québec. Donc, de dire qu'il faudrait que vous nous transfériez plus d'argent, ça voudrait dire augmenter les impôts. Puis les impôts sont déjà dans le plafond au Québec. Mais il y a plus de pour les villes, par exemple, de payer pour les terrains, pour les écoles, tout ça. Ça rentre dans leur cours. Bien, on a parlé là, de l'école, effectivement, là, qu'on s'est engagé à construire puis qu'on va construire. La question des terrains, là, puis ça remonte à un certain temps... Il y avait, à un moment donné, au Québec, beaucoup d'étalements urbains. Et on demandait au gouvernement du Québec de financer des nouvelles écoles dans les banlieues. Et donc, on a commencé à demander aux municipalités au moins de payer pour le terrain. Ici, ce n'est pas vraiment d'étalement urbain. Par contre, il y a une question d'équité. On ne peut pas dire oui à une ville, on paye pour le terrain, puis non à une autre ville. Donc, on est en train de regarder le dossier, puis j'ai confiance qu'on va trouver une solution. La ville va fournir une compensation pour le terrain de l'école Montcalm. Ça fait plusieurs années que vous la promettez, cette école-là. Alors, ah oui, puis on va la faire, l'école. La seule chose, c'est qu'actuellement, les règles, c'est que quand on construit une école, les villes doivent payer le terrain. Donc, moi, je dois faire attention, parce que si je fais une exception, bien là, il faut être certain que des comparables, je vais être obligé d'être équitable et de faire la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on est en train... On est en train d'examiner ces règles-là. Quel sera votre message aux militants en fin de semaine? Oh, bien, écoutez, j'ai un discours dimanche. Essentiellement, je veux revenir sur l'opportunité économique extraordinaire que présente l'économie verte. On a de l'eau, on a Hydro-Québec, on a des minéraux stratégiques. Donc, le Québec peut sortir gagnant en réduisant IGS. Déjà, on est les plus bas en Amérique du Nord, mais aussi en créant des emplois bien payés. Puis, bien, je veux rappeler aussi qu'on a deux pattes là, depuis la création de la CAQ. Il y a l'économie, mais aussi protéger le français, protéger notre identité,
Puis on n'est pas obligé d'attendre le grand soir comme le Parti québécois. Il y a des gestes qu'on a commencé à poser avec la loi 96, puis il y a des gestes qu'on va continuer de poser avec les exigences concernant la connaissance du français pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est un peu de ça que je vais leur parler en fin de semaine. On va passer en anglais, s'il vous plaît. OK. OK. Bon, d'abord, depuis à peu près tous les gouvernements qui se sont succédés au Québec ont toujours fait attention de protéger deux choses dans les ententes avec les peuples autochtones. Un, ne pas céder un droit de veto sur tous les projets. Puis deux, l'indivisibilité du territoire québécois. Et quand j'ai rencontré les chefs Innus, on avait convenu qu'on ne toucherait pas à ces deux éléments-là. Or, actuellement, nos avocats, les avocats du gouvernement, qui sont, dans bien des cas, les mêmes avocats qui étaient avec les gouvernements précédents, disent que ce qui est proposé comme traité pourrait affecter, pourrait donner un droit de veto, puis pourrait rendre le territoire divisible. Donc, on est prudent, comme tous les gouvernements avant. Mais sinon, je souhaite avoir une entente de nation en nation. On a beaucoup de projets. Là, je vous parlais il y a quelques minutes des projets électriques. Donc, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, puis on va les faire en partenariat avec les Premières Nations, que ce soit les Innus, les Crous, bien, où je suis ouvert à les rencontrer. Je les ai déjà rencontrés, donc on va continuer de se rencontrer. Est-ce que vous savez si M. Jolin Barrette a nommé d'autres amis juges? Pas au courant. Is there a conflict of interest with Mr. Jolin Barrette's case with his friend who is now a judge? No, in my opinion, there's no conflict of interest. Why is that? Because we're not with the approach that we used to have many years ago, where we used Post-it to identify the people that were supporting the party in government. Since Bastarache, right now there's an independent committee making sure that they meet with the people, they analyze the resume, and they suggest a maximum of three names. So I don't know in this case if it was one, two, or three. And then the minister chose between those one, two, three names. And that's what Simon did. So I think we cannot refuse competent candidates because they know the minister. Again, those people have been chosen for their competencies by an independent committee. But so in terms of appearances, Premier, doesn't it look a little bit funny to see your justice minister naming a personal friend in terms of appearances of integrity of your government? No, if it's clear, and I would like that you be clear, that those people were chosen by an independent committee, not by Simon. How are you feeling about this weekend, going into the confidence vote in the Congress? Well, of course, after 4 years and a half of governing, you may have some deception for some people, but I'm optimistic to have the support of the majority of the members. I'll talk about the economy. So about the green economy, there's a huge opportunity with the battery, with the strategic minerals, with the electric buses. There's really a great opportunity for Quebec to create wealth while we continue to be the leader in reducing the greenhouse gas. But I'll talk also about the importance of making sure of the future of French language in Quebec. Merci so, beaucoup. And we can do and we can take some actions within Canada. So government of Quebec, they already have some powers that were not used by the PQ and Liberal governments and will use them. Like what? Like making sure as a condition that newcomers, they speak French. Merci. Merci. Non, non, je vais me faire chicaner, là. Je vais me faire chicaner. Ben, écoutez, je ne sais pas les vraies raisons, mais ce qui est important, là, c'est que Christian Dubé veut des dirigeants qui...
Non, bien, qui sont imputants, mais aussi qui décentralisent les décisions dans les établissements. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont quitté, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on veut un réseau plus décentralisé. On veut un réseau où les gens, les établissements qui sont les mieux placés pour prendre les décisions, bien, soient celles qui prennent les décisions. Merci. Merci. François Bonnardelli. C'est fait. Non, mais c'est fait, tu as payé.